Ndotré. Nous sommes dans la commune d'Abobo, au quartier PK 18. Du lundi au dimanche, les restaurants de cet espace gastronomique sont les plus sollicités par les Abidjanais. La viande qui ne peut pas trouver en ville, ils savent qu'arriver ici, ils peuvent en avoir. Nous avons la goutille, le pangolin, biche, hérisson, il y a aussi de l'escargot. Le prix est favorable. J'ai toujours été habitué aux plats culinaires africains. En tout cas, je m'y plais normalement. Pour preuve, vous voyez que je mange avec la main. Ça dit que c'est pour mettre en exergue le côté traditionnel, le côté africain. Pour certains, cet endroit est un lieu de rencontre. Ils y viennent pour se restaurer à cause du prix accessible et de la qualité des menus. Je viens manger ici parce qu'elle prépare bien. Je suis avec mes collègues de service, on n'est pas loin. Bon, à chaque moment, on vient partager le repas. Ici, c'est beaucoup plus famille. Quand on vient, l'atmosphère et tout ça. On se sent un peu à la maison, voilà, parce que on n'est pas très coincé. Voilà. On a l'impression de manger à la main et tout ça, ça ne choque pas. Quoi. On est entre amis, ça nous permet de balader un peu. Manger avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de manger avec à la maison. Par exemple, je suis avec mes amis, on a eu à faire la terminale ensemble. Aujourd'hui, on s'est retrouvés, on est invités à venir manger. Bonne affaire pour les tenanciers de maquis et restaurants qui se frottent les mains en fin de journée. Samedi, dimanche, c'est la fin de la semaine, les gens voyagent, ça bouge un peu. On peut gagner 60 000, 70 000, 80 000, ça dépend. C'est dans ça aussi que les filles la mangent. Les prestations d'artistes en herbe attirent également le public abidjanais. Les jeunes artistes en quête de producteurs sont présents pour faire valoir leur talent. Quand je chante, si c'est intéressant, ils vont apprécier par jour. Tu peux avoir 5 000, des fois même 10 000. Comme Clément Kouassi, plusieurs artistes du genre musical Zouglou, appelés Woyoman, sont à la recherche de leur gagne-pain. C'est le Zouglou en fait, mais présentement nous sommes en Zouglou baladeur. Ils apprécient, ils nous lancent des paroles, des bénédictions, ils nous donnent des jetons d'encouragement. Voilà. Les samedis, dimanche, on peut avoir 60 à 45. Voilà. En d'autres, outre la restauration, tous les petits commerces sont exercés et chacun y gagne pour son compte.